plusieurs des premiers sont les derniers, et plusieurs des derniers sont les premiers. Donc, c'est ça, nous pourrons le partager ensemble, je dis à bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la paix, bon Dieu, avec nous. Que bon Dieu ouvre l'intelligence, comme d'habitude et comme toujours, pour ce enseignement, ça, son enseignement qui gagne pile opinion, l'opinion pile en pile en pile sous lui. Donc, qui ça, plusieurs des derniers seront les premiers, je dis. Et nous jouons ça dans quatre versets dans la Bible. Nous jouons quatre côtés. Nous jouons dans Matthieu 19, verset 30. Nous jouons dans Matthieu 19, verset 30. Nous jouons dans Marc 10, verset 31. Nous jouons dans Matthieu 20, verset 16. Et nous jouons par exemple dans Luc 13, verset 30. Et pourtant, un seul côté, un pile fois, nous avons toujours parlé de les premiers sur les derniers sur les premiers. Qui continue, ce qui continue la différence entre eux, plusieurs des premiers sur les derniers et plusieurs des derniers sur les premiers. Donc, nous allons faire une ensemble, nous allons faire une différence et puis nous allons partager ensemble un message qui est dégagé dans le verset ça. Donc, plusieurs des premiers sur les derniers et plusieurs des derniers sur les premiers, qui ça le dit? Donc, selon Matthieu 19, verset 30, alors d'abord, et le bon contexte historique. Nous connaissons la Bible et généralement les paraboliques, les symboliques, mais les littérales d'abord. OK? Et maintenant, littéralement, ça veut dire dans le contexte historique, l'on dit plusieurs des premiers sont les derniers. Plusieurs des derniers sont les premiers. Là, on parle de plusieurs des premiers. Là, on dit les premiers. Eh bien, historiquement, et symboliser peuple Israël là selon Deutéronome 7 verset 6. Donc là on dit les premiers, là on parle de les premiers, c'est le peuple d'Israël selon Deutéronome 7 verset 6. Et là on parle de les derniers, donc là on parle des derniers, les derniers, donc ça c'est peuple choisi, c'est le peuple choisi parmi les nations par Jésus-Christ pour faire volonté qui pour porter nom selon Actes chapitre 15, verset 14. Acte 15, verset 14. Maintenant, si nous avons remarqué dans Romains 1, verset 16, côté apôtre Paul dit, elle a parlé, il définit l'évangile là. Donc l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il dit, il précisait du juif premièrement. Donc là, juif là, il symbolisait le peuple Israël là, du juif premièrement, puis du grec. Eh bien, grec là lui-même, il symbolisait païen, et comme si, nous t'a dit, juif là symbolisait peuple Israël à l'ancienne alliance, et puis grec là symbolisait la nouvelle alliance, et on dit, païen, ou du moins, monde qui pourrait aller pour y accepter Jésus, et sous la grâce. Ok? Maintenant, nous bien garder, dans Acte 3, verset 25-26, si nous faisons lecture, ça, nous faisons pour moi. Nous n'avons pas besoin de faire toute lecture comme d'habitude. Nous faisons pour moi, s'il vous plaît. Dans Acte 3, verset 25-26, où elle précise, c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur. Son serviteur, ça veut dire Jésus-Christ. OK? C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur. Serviteur, ça, il a parlé de Jésus-Christ. OK? Donc là, là, c'est à peu juif là directement par où s'adresser. Et là, nous lisons, nous faisons lecture dans Acte 13, verset 45 et 46. Il précise, côté apôtre Paul, t'a parlé avec Barnabas. Et puis, il te dit, peuple là, foule là, nous nous tournons vers les païens. Pour qui ça le dit ça? Il dit, puisque nous passons ça, nous passons servir bon Dieu. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui t'a supposé qu'il y a plus zèle, plus zélé, plus piété, qui pourtant plus pieux. Mais puisque nous-mêmes n'a fait s'enlever dans l'évangile, et n'a fait superstar dans l'évangile, eh bien, et apôtre Paul avec Barnabas dit, eh bien, nous tournons vers païen. Donc, puisque nous passons ça, nous prenons le jeune païen de préférence. Donc, vous comprenez? Et bon, maintenant, nous remarquons qu'on y a, dans le fait, et ça m'a dit tout à l'heure, c'est seulement là où je n'exprime ça, dans Matthieu 21, verset 28 à 32. Alors, ça c'est comme si là, nous connaissons la Bible méthodique.
Donc, on y a, c'est comme si là, on a une théorie, on a une pratique là. Parce que dans Matthieu 21, verset 28 à 32, c'est parabole de fissio. Côté que, papa dit, premier petit là, pour le travail, et puis dans le champ, et puis monsieur dit, non, il ne va pas aller. Et puis après ça, monsieur vient changer d'idée, il repentit, et puis il vient aller. Et puis deuxième petit garçon, le papa dit l'aller. Il dit papa oui, il va aller. Pourtant, il dit papa il va aller, puis il va aller. Donc là, Jésus t'a demandé entre deux, qu'est-ce qui fait volonté papa? Et mon te répond, il te dit faut la te répondre, il te dit c'est première. Et pourtant là, on bagage qui très paradoxal. Ça qui est très paradoxal, c'est clairement là, voilà, pour ça qui paraît premier fils là, c'est lui-même, nous pourrions comprendre ça tout à l'heure. C'est lui-même, c'est ça qui fait la parole, c'est bon Dieu pour intelligence aux gens, 24-45 du là. C'est cet esprit pour intelligence pour comprendre. Là, dans deux fissures, soit avec première, c'est dernier, c'est lui-même qui était dernier, qui passait pour première. Et sa première, soit avec qui dernier, c'est le premier qui vient passer pour dernier. Voilà. Donc ça veut dire qui ça? Nous remarquons bien, première, sa dernière, ça veut dire c'est lui-même qui te dit oui. C'est comme si dans l'évangile, c'est un monde par exemple qui fait dans l'évangile ou bien qui gagne pile temps dans l'évangile et puis qu'on y a là qui s'est passé et il fait salver, il fait superstar, il fait salver dans l'évangile comme si l'évangile là c'est pour les lier, ok? Et puis pendant ce temps, c'est l'hypocrite qui traite dans l'évangile et dans ce monde, il y a le chrétien toujours biblique des personnes dans l'église, l'église et puis t'as un gros chrétien, gros pasteur, gros évangéliste, quel que soit titre qui va être. Et pourtant, c'est lui-même qui a fait des ordres dans l'évangile. Donc c'est monde ça, c'est lui-même qui dit oui et pourtant il désobéit. Et pourtant, il vient passer pour dernier qu'on y a. Il vient passer pour deuxième non. Et qu'on y a là, ça qui était lui-même au commencement que qu'on attend de l'évangile, qui était qu'on attend des prêches, messages, amis qu'on a invité dans la croisade, l'église, etc. Il pas qu'on jamais qu'on voulait aller, ça veut dire t'as fait la sous d'oreille, t'as fait têtu. Et puis c'est lui-même finalement qui vient repentir et puis il décide de quitter le monde là. Donc c'est comme si nous t'apprend exemple ça sur l'apôtre Paul au commencement il était au pied de Gamaliel, il pas jamais chrétien, d'ailleurs c'est chrétien, pas de chrétien depuis il connaît un chrétien côté, il tue le rachot, il lapide, il fait tout ça capable d'avoir. Et OK, au commencement et apôtre Paul et puis qu'on y a là, il vient repentir. Le bon Dieu vient sur lui, il repentit. Et nous, automatiquement, il repentit. Et puis, même côté, bon Dieu fait route avec elle, bon Dieu passe avec elle. Et pourtant, nous avons regardé, soit comparé à l'apôtre Paul avec Judas. Judas lui-même, qui était contre marche à Jésus, qui était un témoin oculaire qui était avec Jésus, hein, qui t'a marché à Jésus, qui était derrière Jésus. Et pourtant, lui-même, c'est lui-même qui symbolisait le deuxième et fils. Ça. Ça veut dire que c'est le premier qui vient passer pour le deuxième dans la dernière. Donc, on a Judas lui-même, qui est ça qui vient passer. Et comme s'il te dit oui, il était dans hypocrite, il était dans traîtrise, il était traître, il traite Jésus. Vous comprenez donc? Maintenant, il te dit oui, et puis qu'on y a là, fait un coup, la fait volonté bon Dieu, et pourtant, c'est lui-même qui pourra désobéir à la parole, désobéir au commandement de Dieu, de Jésus-Christ, et puis qu'on y a là, qui pourra le perdre. Ok? Qui pourra le venir passer pour dernier, et puis apôtre Paul lui-même. Lui-même qui était deuxième, là, il vient jouer le fils qui était premier fils là, et Judas lui-même qui était à marche à Jésus qui était dans la première place là, on y a là, il vient et jouer le deuxième fils là. Ok? Donc maintenant, là nous regardons bien, c'est ça que fait dans Matthieu 21, verset 28 à 32, Jésus explique clair. Jean-Baptiste est venu, c'est un coup. Il est venu et puis, on est content des paroles là. On prend. Donc, moun, surtout qui fait dans l'évangile, parce que vous dit ça, moun a fait dans l'évangile, elle fait dans l'évangile, il met dans la tête, c'est super salé. Puisque elle fait dans l'évangile, avant de parler, il y a 10 ans, 15 ans depuis, je suis pasteur, je suis 20 ans, je suis 25 ans depuis, je suis chrétien. Et puis, toujours critiquer moun qui fait convertir, moun qui fait accepter Jésus. Comme si la Bible, vous comptez le parler de un pile temps. Non, nous tapons un exemple sur l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul lui-même, apôtre Paul nous remarque, apôtre Paul même côté bon Dieu met mes souliers et puis même côté là bon Dieu passe avec elle. Donc son question de volonté, son question de foi, son question de détermination.
de pour une détermination dans l'évangile, ou une volonté pour servir bon Dieu, ou agir foi dans bon Dieu, ou remettre tout ou même les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, et bien ou remettre tout ou même tout esprit, tout dans mon tout corps, bon Dieu, et bien l'affaire route avant, pas besoin d'un pile temps 50 000 ans dans l'évangile. Donc, quand il y a des gens qui prennent pour le critiquer, pendant que je critique, il y a 25 à 30 ans dans l'évangile, et puis c'est lui qui a fait des autres de l'église, c'est lui même qui a pris un petit jeune, c'est lui qui a couché un petit jeune l'église. On voit qu'il fait salver, je bolette, il fait ça dans l'idée, avec arrogant, le langage avec arrogant, tout le bagage, et puis la Bible toujours dans la chambre d'espérance. Donc, c'est pas une question d'un pile temps dans l'évangile qui pour bonne maturité. C'est cœur pour le bon Dieu. Ou bay bon Dieu tout cœur, ou bay bon Dieu nan, ou bay bon Dieu corps, ou pas faire sauve la corps qui c'est tant bon Dieu, et puis c'est laisser cet esprit à passer avant, pas besoin qu'un pile temps dans l'évangile. Nous avons exemple sur l'apôtre Paul avec Judas. Donc maintenant, nous faisons lecture dans Romains 11, versets 25 et 26, là, il précise une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voilà, ça clair. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Ça veut dire que tout peuple Israël l'a sauvé quand même. Pour qui ça? Parce que c'est ton promesse qui t'est faite. C'est ton promesse, bon Dieu t'a fait avec papa et ok? Abraham, Isaac, avec Jacob. C'est ton promesse qui t'est faite. Mais, problème qui gagne malheureusement, il y a un pile dans le peuple Israël là, qui gagne pour yo et les gagne pile monde dans peuple Israël là et qui pas gagne récompense. Donc gagne pile monde et parabole ça qu'on dit yo traduit le mot à mot yo dit et gagne pile monde elle dit les paroles là dit et plusieurs des premiers sont les derniers et plusieurs des derniers sont les premiers yo qu'on dit peuple Israël là ou bien en pile monde dans peuple Israël là gagne pour entrer dans royaume ciel là en dernier. Ça pas gagne sens. La Bible pas traduit littéralement mot à mot comme ça. Donc, expression, ça veut dire qui ça? Parole, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, et historiquement, en pile monde qui était qu'on a désobéi, fait Moïse fâché, ok? Jusqu'à ce que vous fait Moïse pas entrer dans la terre promise, eh bien, monde ça, yo, puisque c'est ton prophétie qui est sur le peuple Israël, son promesse, bon Dieu fidèle, ça le dit, bon Dieu, pas qu'on dit en rien à bouche pour ne pas respecter, pour ne pas qu'il promesse, c'est ça qui fait tout le peuple Israël sauvé. Je nous saute l'île là, tu as là dans Romains 11, verset 25-26. Mais moun sa yo gan pile ladan yo, c'est sa parole la dit plusieurs des dernières des premières sur les dernières en pile ladan yo pa gagne récompense dans ciel là, mais a sauvé quand même, mais pa gagne récompense. Donc c'est pas littéralement y a pas entrer en dernier, ça n'a aucun sens, ok? Il pas traduit mot à mot, ça veut dire pa gagne récompense dans ciel là, pa aucune récompense. Donc ça fait li préciser tous ces plusieurs des premiers, c'est parce que c'est pas tout. On prend exemple Abraham, Isaac, Jacob, hein? Les Abraham, Isaac, Jacob, moun sa yo y a toujours été, il y a pas jamais passé en dernier, il y a toujours été en premier. C'est ça que fait parole a dit plusieurs des premiers, ça veut dire c'est pas tout. OK? Donc ça c'est dans contexte historique là. Maintenant dans contexte spirituel là qu'on y a. Dans contexte spirituel là, c'est que ça veut dire. Ça veut dire en pile moun nous l'église. En pile moun nous l'église, surtout ça que fait dans l'évangile. Parce que le plus souvent les moun a fait dans l'évangile. L'a fait superstar. Et pourtant, c'est lui-même qui plus pas bail l'évangile. L'important, c'est lui qui plus pas bail bon Dieu valeur. Et plus pas bail bon Dieu important. C'est lui qui plus pas bail parole là, aucune importance. Il va bail parole là pour te sel pour les gens qu'on dit. Il va bail gagner pour lui faire salver. Il fait salver le vivre, j'enlever, le manger salver, le mettre salver sous lui. Là, le programme niveler, l'élever, j'enlever. On comprend, ni jouer dans le jeu poker, dans le jeu hasard, dans le jeu bolette. Il n'a rien à deux, trois filles, si son fils, il n'a rien à deux, trois garçons, etc. Il fait salver. Et puis avant de parler de fête dans l'évangile, avant de parler de il y a notre dans l'évangile, il n'y a pas qu'on y a le chrétien, et puis dans toute activité de l'église. Donc, en pile dans le monde, il n'y a pas aucune récompense en ciel là. En pile dans le monde, il n'y a pas aucune récompense en ciel là. Ok? Donc, ça, c'est dans le contexte spirituel là. Et ceci, nous regardons bien, dans Matthieu 19, 30, on peut parler de richesse. Il parle de richesse. Côté que, bon Dieu dit, un monde qui accepte tout le bagage vaguement, mon papa, professeur, petit, riche, tout le bagage, c'est quelque chose à ça. Parce que c'est difficile. Il est difficile pour mon entrer dans le royaume ciel là. Donc nous connaissons dans la parabole là avec un pile discernement, nous connaissons on chameau pas capable passer dans on Jésus-Christ. Ça veut dire ça son bagage qui exprime l'impossibilité. Il exprime l'impossibilité parce que le plus et au monde pour mon riche t'as sauvé, il est impossible pour mon riche sauver dans quel sens? Parce que nous connaissons le plus souvent le monde riche, il a pile l'argent multimilliardaire, multimillionnaire,
le plus souvent sensible pour combler. Et le pape investit vraiment vrai dans l'église. C'est ça qui fait le plus souvent ouais, l'église, il n'y a pas de monde qui gagne l'argent, la gagne. L'église toujours en pile de pile monde qui est bon, qui laisse à désirer, qui n'a pas de moyens, en pile pauvre, en pile indigent dans l'église. Parce que les gens qui peuvent gagner moins porter dans l'église, il n'y a pas investi comme parce que les gens riches, ils toujours à penser à l'argent, plus pense à l'argent que la Bible, que loue bon Dieu, que bat bon Dieu, que lit la parole, que prier. Parce que toute prière, c'est coup de prière, Jésus, ou devant derrière, c'est coup de prière le fait. Ça veut dire plus ça pense à l'argent pour l'argent qu'a fait petit. C'est ça que fait Jésus dit, il est difficile, mais sous un esprit de discernement, hein, sous un discernement des esprits, ou après, là, c'est dit, bon, Jésus dit, il est impossible pour mon riche sauver. Impossible pour mon riche sauver. Raison, parce que le monde riche, il pense, il plus pense à l'argent. L'argent vient tourner maître. Et la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres là pour pas qu'il gagne deux maîtres. Donc, Jésus, c'est lui-même qui est maintenant. Ça, c'est dans le contexte spirituel là. Donc, maintenant, on a pu remarquer dans Matthieu 19, verset 30, avec Marc 10, 31, c'est exactement le même bagage, pas de différence. Mais là, nous prenons Matthieu 20, verset 16, il parle des ouvriers. Donc, nous, là, dans la parabole, ça, ouvriers, yo, bon bagage là, bon leçon pour nous tirer là, on leçon de morale. Ça veut dire, là, dans l'évangile, ou pas vie privée moun pas concerné ou. Ça veut dire les Jésus passe en monde, les bon Dieu passe en monde, ça pas concerné ou, ça va garder ou. Donc gen moun ki comme ça. Gen moun ki comme ça. Même les moun nan li di ou la pédo prier ou mande li di on prie ensemble. On prie ensemble pour bon Dieu passe avec nous. Mais quand bon Dieu passe avant l'ennemi avant, la fait jalousie, li jalouse ou. Non. Donc ou na parabole ouvrier ça ou les ouvriers loués. Hein? Ou ça passe là. Premier ouvrier a fait jalousie pour dernier ouvrier parce que il dit là depuis matin pourtant l'autre là lui-même la peine aller la font petit temps l'autre là même n'a plus fatigué il prend soleil non ça pas concerné ou. Et c'est ça que fait Jésus te dit est-ce que me faut méchanceté est-ce que comme dit m'a bon là m'pas baoul eh bien ça pas gado vie privée l'autre on n'a pas gado parce que m'dit si m'dou m'a bon temps m'respecter temps m'dou m'a bon là mais m'ba on l'autre on temps ça pas concerné ou ça veut dire bon leçon pour nous tirer là ça veut dire dans l'évangile vie privée monde pas intéressé ça pas gado l'entend dans l'église qui peut aller faire aller guérir pour régler ouais vie pas ouais tête pas ou même pas ouais monde OK dans Matthieu 20 verset 16 dans parabole ouvrier maintenant dans Luc 13 verset 30 qu'on bagarre encore là font peut-être pile attention à ça le parler dans de porte étroite là hein il parlait de porte étroite il parlait de enfer. Il parlait du ciel, de enfer, étant de feu, et de souffle à côté pas d'ingré, et manger dedans, etc. Qui ça qui passe là? Ça montre qui ça? Eh bien, un grand pile monde qui est dans l'église qui parle droit dans l'enfer. Clair. Là, pas dans le contexte historique. Ça veut dire là, peuple Israël n'a pas la donne. Là, c'est seulement dans le contexte spirituel. Là, nous. Parce que, Romains 11, selon Romains 11, verset 25, 26, tout peuple Israël a sauvé net. Donc, dans le contexte historique là, et peuple Israël la parole mais dans contexte spirituel là hein dans contexte spirituel là dans l'église même l'église Jésus-Christ là grand pile monde dans l'église c'est ban ou vienne chauffer c'est place qu'on vienne prendre c'est agent diable c'est affaire à régler donc grand pile monde qui prend dans l'enfer selon Luc 13 verset 30 nous est clair dans parabole porte étroite là hein ça veut dire porte ciel là l'elle parle de porte étroite ça veut dire quoi ça veut dire monde qui a sauvé très minime raison. Parce que l'aile du porte étroite là, ça veut dire porte pour entrer dans le ciel là. Porte pour entrer dans le ciel là, les petits, les fermés. Les petits, les fermés, ça veut dire que ça. Ça veut dire ça avec un peu de difficulté, un peu, il faut accepter souffrance, il faut accepter calamité, il faut accepter rageur, il faut accepter grand goût, il faut accepter attaque démoniaque, il faut accepter attaque humaine. Il faut accepter tout pour passer dans la porte ça. Porte, et ça fait la Bible, l'aile porte étroite. Il faut accepter. Yo. Et porte monde là, c'est pas même porte, même son barrière. Son barrière, raison. Parce que toute belle bagaille, c'est dans le monde là. Donc ça veut dire, les gens dans l'église, là, on bible dans même soi-disant, viennent prendre place. Moun. Et puis, d'après moi, ils viennent l'église bonheur comme ça. Ils viennent l'église bonheur. Et puis, les gens qui viennent servir, bon Dieu, à vrai, n'ont arrêté de prier là, quand ils font dévotion avant de déplacer, ils sont toujours en retard, malheureusement. Pourtant, les gens qui ne viennent pas l'église, qui ne déplacer sans prier, ils viennent prendre, ils viennent guetter chez eux, ils ont une meilleure place, ils ont une plus bonne place là. Et le pape lève, non? Il pas lever by sac vin il pas lever by l'autre chita parce que lui même c'est pas l'église venir vraiment là quel dieu égoïste vraiment égoïste donc maintenant c'est ça exactement
nous avons plus de monde dans l'église qui peut aller droit dans la foi. Tant que monde qui est dans l'église, mes amis, monde qui est dans l'église. Et puis, selon 1 Jean 2,15, et qui dit que parole sacrée, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire monde qui est dans l'église, monde qui est dans l'église fait ça lui. Il fait ça la tête lui. Il fait ça la colle. Hein? Il est dans tout programme monde là et l'autre paraît sur lui ou pas la lumière dans lui. Ou pas la différence entre lumière et ténèbres. Ou par contre si c'est lumière lié, si c'est ténèbres lié. On comprend? Donc ça veut dire monde ça est un son monde qui met en tête il a faouché bon Dieu ou pas faouché bon Dieu, c'est tête ou ca faouché parce que c'est pour l'enfant travail. Donc maintenant ces gens somme premier dit là et la voix des pécheurs mène à la ruine. La voix des pécheurs mène à la ruine. Donc maintenant, quelle différence qui gagne pour nous terminer entre plusieurs des premiers sur les derniers et l'on a dit et les premiers sur les derniers, quelle différence qui gagne? Eh bien, c'est simple. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça, c'est dans le contexte spirituel là. Il veut dire qui ça? Grand pile monde qui gagne 50 000 ans dans l'église, monde ça y est, il a sauvé, mais il n'y a pas aucune récompense en celle-là, aucune couronne. Ok? Parce que la Bible dit clair, c'est selon les œuvres que vous sortez qu'on fait et vous avez une récompense. Ok? Donc ça, c'est ça, il veut dire. Il n'y a pas de rapport avec le peuple Israël là, du tout là. Parce que et des monde j'en ose dire tant que les Abraham, Isaac, Jacob, il y a toujours été les premiers. Donc c'est seulement dans le contexte spirituel là, des monde l'église qui gagne mon paquet dans l'évangile, qui fait dans l'évangile, qui a sauvé oui, mais il pas aucune récompense en ciel là. Ça c'est les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jean-Jésus était pour exemple là dans Matthieu 21 verset 28 à 32 là, quand il dit les prostituées et les publicains vous devant soi dans le royaume des cieux, ça veut dire quoi? Les prostituées, ça veut dire une mauvaise vie, yo, qui mène une mauvaise vie. Et pour filles, pour garçons, ça veut dire les voleurs, les bandits, racketeurs, etc. Ils ont dévancé nous. Même Jean-Apôtre Paul, nous avons exemple sur Apôtre Paul, qui était qu'on a marché tuer chrétien, gros assassin. Et puis nous, Apôtre Paul, il y a pile de récompenses. J'ai l'impression qu'Apôtre Paul, il y a tout couronne net. Couronne de gloire, il y a tout net. Couronne de justice, il y a tout. Donc ça veut dire. C'est exactement sa parole ça veut dire. OK? Donc ça veut dire qu'il y a pile monde en dans l'église qui fait dans œuvre là pas bal importance, qui pas cap sauver mais sans récompense, sans couronne sans rien. Et pourtant il y a pile monde qui dehors cap voler, gros bandit, cap tuer monde. Hein? En pile mesdames, nous dans la rue cap prostituer des prostituées, OK? Cap mener mauvaise vie. Pourtant, on paquet mambo, maçon loge, ougan, champouel, malfaiteur, hein? Assassin, etc., kidnappeur, ou après eux-mêmes, ils peuvent le sauver avec des couronnes, avec un pile de récompenses, selon ça, Jésus dit dans Matthieu 21, verset 28 à 32. Pour qui ça? Parce que Jésus dit clair. C'est parce que eux-mêmes, les autres de Yoa, ok, les autres de Yoa, ils ont tant de paroles là, Jean parabole de fils a dit là, ils ont tant de paroles là, pas de l'importance, après ils viennent repentir. OK, il vient repentir et puis là il vient repentir, il accepte Jésus, il accepte Jésus pour tout bon. Il pas jouer dans l'évangile. C'est ça que fait, il pas jouer dans l'évangile, pas bon Dieu, il remet tout au même à bon Dieu, tous les trois parties, hein, qui dans eux-mêmes, esprit, âme, yo, nan yo corps, yo, il remet bon Dieu et bien monde ça yo gain pour servir même Jean-Apôtre Paul, yo gain pour yo entrer dans le royaume celle-là avec en pile récompense avec en pile quoi. Mais ça pas veut dire littéralement mot à mot et gen moun ka pantre avant l'autre, c'est pas dans ce sens ça. Ça c'est pas dans ce sens ça. La Bible pas traduit comme ça. La Bible pas traduit comme ça. C'est pas la théologie. C'est théologie qui est littérale. Donc c'est enseignement ça nous te gagner pour nous ouais ensemble jeudi à que bon Dieu bénisse nous et que nous ayons intelligence comme d'habitude comme toujours pour nous comprendre enseignement ça. OK, différence il y a entre les premiers sont les derniers. OK, les premiers sont les derniers. Et donc ça veut dire spirituellement et moun qui dans l'église qui gagne pour et sauvé quand même mais sans récompense et les derniers sont les premiers et l'autre monde qui était converti et qui était dans mauvaise vie qui t'a mené vieille vie et puis là on vient accepter Jésus pour nos seigneurs et puis eux-mêmes y a sauvé à toute récompense. C'est dans ce sens ça a devancé monde qui était là déjà qui était fait dans l'évangile mais qui était pas seul longtemps qui pas pour gagner dans l'évangile Seigneur. Et puis plusieurs des derniers seront les premiers. Ça lui-même c'est un pile monde historiquement dans peuple Israël là, grand pile dans peuple Israël là historiquement et
qui pral normalement yo gen pour sauver parce que c'est ton promesse qui t'est faite sur yo sur peuple là bon Dieu t'est fait il a sauvé quand même mais sans récompense mais c'est pas tout par exemple gen qui prêté dans place premier autant pour les Abraham Isaac Jacob et maintenant les derniers c'est moun qu'on a qui sous la grâce qui accepté Jésus yo et puis pour l'église actuellement et puis yo même grand pile là-dedans tout qui gen pour yo et sauver avec des récompenses ça veut dire d'avancer moun sa yo qui était dans peuple Israël là OK et qui était dans peuple Israël y a d'avancer ça veut dire y a une récompense yo même et pourtant peuple en pile dans peuple Israël là pas de récompense ça c'est historiquement et spirituellement plusieurs des premiers sont les derniers et les plusieurs des derniers sont les premiers spirituellement ça veut dire c'est en pile moun qui en dans l'église en pile là-dedans yo qui en dans l'église OK yo gen pour yo sauver quand même mais sans récompense et en pile moun qui converti et qui était dans vieille vidéo qui converti en dernier yo et puis yo même yo gen pour yo dévancer et moun et qui était dans l'église déjà qui était fait soi-disant dans l'évangile qui t'a servi bon Dieu longtemps gen pour dévancer ça veut dire yo tout a sauvé oui mais yo même y a sauvé avec et avec en pile récompense avec des couronnes OK et ceci encore plusieurs des derniers sont et des premiers sont les derniers et plusieurs des derniers sont les premiers ça veut dire là encore grand pile monde quand dans l'église qui parle dans la fait droite selon Luc 13 verset 30 la paix bon Dieu avec nous à la prochaine pour notre leçon c'est un courtoisie église de Dieu de l'aéroport et église de Dieu Philadelphie de l'aéroport qui est à côté numéro 4 avenue Martin Luther King et Nazon et puis de concert avec école de Dieu Philadelphie de l'aéroport qui a une nouvelle session qui va commencer là. Si nous avons une question, nous allons visiter nous chaque jeudi. Et nous avons un cours chaque jeudi. Nous avons une nouvelle session qui va commencer jeudi 5 novembre qui va venir là, 5h pour 7h. 5h pour 7h chaque jeudi. Et puis chaque dimanche matin, 7h pour 8h. Donc chaque jeudi, 5h pour 7h, c'est l'horaire de base. Ça est obligatoire pour venir, c'est exigé. Mais dimanche matin, 7h pour 8h, si vous avez un petit temps, ou pas l'église ou bien ou pas trop occupé dans l'église ou bien pas l'église du tout qu'à venir donc souvenir la plus bon pour 7h-8h chaque dimanche matin et puis qu'on y a souvenir quelques questions à poser mais horaire de base c'est chaque jeudi 5h pour 7h OK donc et le thème et c'est la parole de Dieu et la théologie en question donc laissons pas le faire différence entre la parole de Dieu et la théologie pour être grande différence il y a donc son formation et qui dure un an ça c'est deuxième promotion non et qui va durer un an et 12 mois formation et puis après les 12 mois on a bien un niveau de maîtrise et de doctorat en théologie. La paix bon Dieu avec nous. À la prochaine pour un nouvel enseignement. Bye bye.